Y a-t-il une question que tu n'as jamais posée mais que tu as toujours voulu me poser? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait un plan à toi? Ouais, même à 6. Regardez ce qui va se passer ici. Les gars, ça c'est un nouveau concept. Conversation, couple, amical, tout. On est en couple. Ok, j'accepte. Ok, d'accord. On commence par toi? Oui. On commence pas par ma dot. Vas-y. C'est combien? Tu veux combien? Je veux 20. 20 cas? Oui. Ok, d'accord. C'est pas grave. Ils ont intérêt 25. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Vas-y, c'est parti. Alors, quel est selon toi le lieu parfait pour une lune de miel? Ah ouais, le lieu parfait. Dans un hôtel. Dans un quoi? Que quoi? Dans un hôtel? Mais non! Pourquoi? Emmène-moi dans une cabane dans la forêt! Excusez-moi, j'ai besoin d'un vrai zoulou! Mais moi j'aime pas la cabane! Mais moi j'adore ça! Ah ouais? Oh. Bah, hôtel 5 étoiles! Non, hôtel 5 étoiles, ok. Bah, c'est à toi de me poser la question maintenant. Ok, d'accord. Selon toi, quelle est la clé d'une relation heureuse et saine? Un énorme pénis. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que... C'est important? Très important. Très très important ou... Très important. Ah ouais. Ok. C'est à toi. Alors... Quelle est l'importance de ta foi dans la religion comme pour toi? Bah... Être honnête. Et puis, sincère, et voilà, c'est tout. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, moi je dirais aussi être romantique et atypique. C'est quoi ça? Bah, atypique, c'est quelqu'un tout le temps qui va t'emmener faire des sorties, qui, toujours des trucs qui changent de l'ordinaire pour jamais s'ennuyer. Donc, tu aimes un mec qui sort tout le temps, quoi, tu vois? Pas forcément, mais qui me propose des activités, que ce soit à la maison, un peu partout. Mais... La salle des sports. Ouais. T'aimes pas trop? Ouais, j'aime bien. Ok. Maintenant, c'est moi. Quelle est la meilleure leçon que tu as apprise de tes parents? La caravane passe, le chien aboie. Donc, étant la caravane, quand les chiens aboient, je dois me taire et le laisser aboyer, comme le chien qu'il est. Ah ouais. Voilà, c'est la grande leçon que mes parents m'ont appris. Donc, si je comprends bien, tu as une histoire avec les caravanes? J'ai une histoire avec les chiennes et les chiens. Ah ouais? C'est moi la caravane. C'est toi la caravane? Ok. Ça passe. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ma personnalité? Bah, franchement, t'es gentil. Non, en fait... Il ment. Non, mais non. Bah, si. Ça, non, ça fait... Mais attends, laisse-moi parler. Ça fait pas longtemps que je te connais, tu vois. Oui, mais... je suis gentil. Et puis, t'es drôle, tu vois. Faut pas écouter mes haters. Non. Ouais, je suis drôle. T'es drôle. En fait, t'es généreuse, tu vois. Et puis t'es, voilà, t'es belle aussi, et voilà, il faut, hein. Il faut dire la vérité, tu vois. Merci. Voilà. C'est à toi. Ok. Qu'est-ce que t'as essayé et que tu ne nécessiteras plus jamais? Faire l'assistante sociale. Tu es d'accord? Le papy. Le papy? Oui. Il a quoi? J'aime bien les chipoter. Ah ouais? Je vois un papy, je me dis ouh. T'aimes bien les papys? J'aime bien les chicoter, oui. Mais il a 90 ans. C'est pas grave, il est un peu chicote. Fais gaffe avec les papys. Oh, c'est le papy de cacao. Bon, question suivante. Ok. Qu'est-ce que tu ignores délibérément, même si tu sais que tu devrais probablement t'en occuper? Si mon mec me trompe. Ah ouais? Ouais. Moi je partage. Tu partages? Ah oui, je peux pas respecter un homme qui est pas polygame. Ah. Donc par exemple, si moi je suis ton mec,
Donc même si j'ai deux meufs ailleurs, ça te dérange pas quoi. Si t'en as pas, que je te respecte pas. Il y a des... Les autres filles, elles se battent pour... Non, de temps en temps, il faut quitter ma maison, me laisser respirer. Donc, il faut aller voir la première, la deuxième, moi ça m'arrange. Donc toi, si tu vas changer un peu aussi ou bien... Ah, bien sûr. Mais c'est pas normal, moi j'accepterai pas ça. Ça s'appelle le libertinage. Non. Ça s'appelle être polyandre. Ah non, moi j'accepterai jamais. Ça s'appelle être dans la team Charo. Ok, pose ta question. Alors ma question, si tu avais 5000 euros, comment les dépenserais-tu? 5000 euros, je vais m'investir d'abord. Il y a des gens qui me regardent, donc du coup, je leur tire garde pour quelque chose. Je vais m'investir d'abord dans le business en ligne. J'aurais comme e-commerce. E-commerce? Ouais. Très bonne idée. Ouais, franchement, si j'ai 5000 balles là, okay. Ça sera ça. Tu serais plus dans le dropshipping? Voilà. Ou plus, ah, ok. Voilà. À toi. Okay. Qui te manque le plus? Je dirais ma maman. Ta maman? Bonjour. Ouais. Ça va. Ta maman? Ouais. Elle te manque le plus? Ouais. Elle est où en ce moment? Je crois qu'elle est au Cameroun. Ah ouais, elle est au Cameroun? Ouais. Ah ouais. Elle va rentrer bientôt. Ah ok, du coup elle est en vacances là-bas ou... Ouais. Okay. Est-ce que tu as un mot pour elle dans cette vidéo? Ouais, passe de bonnes vacances. J'aurais, non, en fait, juste une bonne phrase d'amour, tu vois. Love you, maman. Ok, maman, on t'aime. Ok, ça va maintenant. C'est vrai que la dernière question, ouais. Alors, y a-t-il une question que tu n'as jamais posée, mais que tu as toujours voulu me poser? Ouais. Je peux? Ouais, je t'écoute. Ok. Est-ce que tu as déjà fait un plan à toi? Ouais, même à 6. Vivi bizarre. À 6? Ouais. C'était comment? C'était pas mal. C'était bien? Ouais. Il y avait combien de filles et combien de gars? 3-3. 3-3. 3 filles, 3 garçons. Ah ouais. Mais c'était comment? En plus, c'était il n'y a pas longtemps, c'était samedi dernier au Moon samedi, City. Samedi dernier, là. Ouais, au Moon City. Vous devez y aller, c'est génial. Donc, vous étiez dans la même salle, dans le même lit ou... Non, c'est un club libertin. T'as le droit de te balader à poil partout et t'as des espaces coquins avec les portes ouvertes. Je suis exhibitionniste. C'est bien ça, hein. Ah. Ok. Bah, je te remercie, c'était juste à la question. C'est avec grand plaisir. Donc les gars, abonnez-vous, c'est quoi tes réseaux? Moi, c'est MysticSat 2.0, mon snap c'est JoyZ3, et j'arrive bientôt sur les gars, abonnez-vous. Instagram. Voilà, abonnez-vous à son compte TikTok, YouTube. Attends, t'as YouTube aussi? Non, j'ai pas encore. Mais je vais bientôt faire YouTube parce que je pense finir sexologue. Okay. J'ai trop de conseils à donner. Voilà. Faut bouffer la cocotte. Ah, en plus, une dernière question. On m'a dit que tu es dominatrice, tu domines. Oui, je suis dominatrice, oui. Je fais du virtuel et du réel. Donc, on t'a jamais dominé? Oh, si. Ah ouais? Ah, les antilles. Ah, mais sexy chocolat noir. Oui, je suis une fanatique des dreadlocks. Okay. Je fonds. Okay. Je fonds devant les tismés, les chocolats noirs. Oui. Ok, bon les gars, on vous laisse. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous. To you.